et bienvenue sur mon podcast créatif. Je suis Adeline de la Métamorphose d'une aiguille. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook sous ce nom-là et sur Ravelry sous le nom de Méta Aiguille. Parce que c'est trop long, la Métamorphose d'une aiguille pour Ravelry. Je tourne aujourd'hui après une petite pause vacances avec mes enfants. Mon mari est toujours en vacances, moi j'ai repris le travail. Donc il est parti chez sa maman avec mes filles. Je vous laisserai quelques petites images avant de pour vous montrer un peu un aperçu de nos vacances qu'on a passé du côté d'Andaï. On a bien apprécié cette petite parenthèse basque. Ceci est un podcast créatif. Je vais vous parler de mes réalisations en tricot et couture. On va commencer d'abord par tricot et je vais vous parler de 4 projets finis et de 3 en cours. En couture, j'ai plusieurs réalisations aussi. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, 9, mais il y a deux réalisations qui sont en double puisqu'il y en a une pour Alice et une pour Zélie. Ça marche souvent par deux. J'ai prévu pour le prochain podcast de vous éventuellement de prévoir une petite foire aux questions. Donc je mettrai sur Instagram peut-être une story et puis je vous laisserai me poser quelques questions auxquelles je répondrai au prochain. Voilà, si ça vous dit, si ça vous tente, laissez-moi en commentaire des petits, si vous voulez que je réponde via le podcast à quelques questions. Donc on va commencer par la partie 1, 2, 3. On va commencer par la partie tricot. Je suis un peu rouillée, je suis désolée, c'est un peu difficile pour moi aujourd'hui. C'est pas évident, ça fait un petit moment que je voulais tourner mais j'y arrivais pas. Donc on va... Je vais parler de mon premier objet terminé qui est le Looking Back de Rory Locatelli. Alors, qui est un pull qui se boutonne dans le dos. Ah oui, j'ai pas précisé aussi qu'à la fin je vous ferai un défilé avec les réalisations portées. Comme ça, c'est plus parlant et puis c'est plus sympathique. Donc, le Looking Back de Rory Locatelli se caractérise par une partie de dentelle sur le devant et les manches. Alors, je suis désolée, il est un petit peu gondolé parce que je l'ai porté hier ou avant-hier. Voilà. Donc, c'est un modèle... Alors, je l'ai tricoté avec une laine... c'est pas une laine d'ailleurs, un fil mélangé de coton et de lin. De la marque Fonti et c'est le fil Bohème qui s'appelle. Donc je crois que c'est 70% coton et 30% lin, autant que je me souviens. Alors le Looking Back, je l'ai tricoté, alors ça fait un petit moment, je l'ai terminé presque au mois de juin. J'aurais voulu tourner au mois de juillet mais ça tombait juste avant les vacances et c'était un peu compliqué avec les enfants dans les pattes. Mais j'avais de quoi, j'avais matière, mais et c'est peut-être pour ça que j'étais un peu moins enthousiaste, parce que j'ai passé le coche, mais bon, voilà. Donc, je l'ai tricoté en aiguille 5, autant que je me souvienne. Je vous mettrai en commentaire si je me suis trompée. Je vous repréciserai des choses en sous-titres. Ça sera plus simple. C'est vrai que je l'ai peu porté, ce gilet, parce qu'avec les canicules du mois de juillet, c'était 10 fois trop chaud. Là pendant nos vacances à Andaï, le soir je le supportais bien. Je le trouvais très ajouré parce qu'il était tricoté en 5. Et pour resserrer la maille et pour éviter qu'il soit trop long, je l'ai passé un petit coup au sèche-linge et ma foi je suis pas mécontente. Alors ça veut dire que maintenant il m'arrive à peu près les manches m'arrivent à peu près ici. Qui pour un pull d'été n'est pas trop dérangeant. Et il m'arrive un petit peu court parce qu'il arrive à peu près à la ceinture du pantalon. Mais ça se porte très bien.
je vous montrerai, on ferait le petit défilé tout à l'heure. La dernière fois, dans le dernier podcast, je vous avais dit que j'avais acheté de la laine sur un groupe Facebook de revente de laine, la banque à laine qui est tenue par Mu Homemaker. Et je vous avais montré une pelote de Lille Wesel, le blouse des gendarmes, du gendarme, j'allais dire gendarme. Voilà, et donc j'ai réalisé un châle à un écheveau parce que j'arrivais pas à le mixer avec l'autre gris que j'avais acheté. Je trouvais que ça se mariait pas bien. Donc au final, j'ai choisi de faire un châle à un écheveau. Et je le trouve très très joli. Donc il s'agit du châle Bryce Canyon de Very Busy Monkey. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. C'est un patron en anglais. Pas trop compliqué. J'avais mal compris au début les explications. J'avais pas fait les augmentations de chaque côté comme il a fallu. Enfin, il fallait faire tous les rangs et moi je l'avais fait tous les deux rangs. Donc, il a fallu que je redémonte et je l'ai refait. J'ai ajouté une bordure au picot qui n'était pas prévenue dans le patron pour accentuer la torsade en dessous. Donc voilà. C'est un châle tout fin qui, bah, pour l'été finalement, je le mets le matin sur mes épaules pour le petit-déj. Parfois, c'est pas désagréable, juste comme ça, posé. Et pendant les vacances, je l'avais emmené aussi et je l'ai mis autour du cou d'Alice. Ça m'avait rendu service parce qu'à Saint-Sébastien, quand on est arrivé, il faisait vraiment, il y avait beaucoup beaucoup de vent. Et quand on n'était pas vraiment protégé par le vent, elle avait un peu froid. Donc je l'ai enroulé autour du cou et elle l'a bien apprécié. Donc voilà pour ce châle. Ensuite, je vais un peu vite, hein, mais c'est qu'il y a quand même pas mal de réalisations. Mais oui, j'étais pas là pendant un mois et demi. Donc voilà. Et encore, je crois que je vais en garder pour la fois d'après. Je disais, ensuite j'ai réalisé un pull crop top à manches courtes. Un peu pour me venger de mon slow d'Otna que j'avais pas réussi à mettre et qui était un peu petit et que j'ai tenu ma fille. Là j'ai fait le petit crop top Nausicaa de Yarnflex, Audrey Borrego. Que j'ai réalisé alors avec un coton et viscose qui est à l'origine vert et que j'ai reteint avec parce que j'avais un short et un pantacourt blanc et à chaque fois que je les mettais ça durait une heure avant de me tacher. Donc j'en avais assez de qu'ils soient blancs, donc je les ai retints en bleu marine. Je me suis dit que c'était assez commode le bleu marine pour l'été. J'aime pas le noir l'été, mais le bleu marine, ça passe bien. Donc j'ai reteint ce vert en bleu marine. Et ça lui apporte une petite nuance, c'est pas un bleu marine, ça fait une couleur un peu... c'est pas vert bouteille non plus, c'est un petit peu plus... Oui, je suis assez contente du résultat. Je vous mettrai une petite image de la laine... enfin de la laine, pardon. Du fil d'origine, parce qu'il me reste un petit morceau de pelote. Donc voilà, un petit crop top. Par contre, finalement, crop top, je ne sais pas si ça me va vraiment bien. Et j'ai beaucoup de mal à la sortir. Mais à chaque fois, j'essaye de le mettre avec quelque chose. Et à chaque fois, je me dis, oh, c'est pas top. Et puis, je me change. Donc, vous me direz ce que vous en penserez. Je vous montrerai dans le défilé, peut-être, différentes façons de le porter. Et vous me direz ce que vous en pensez. Parce que je suis un peu dubitative, je ne sais pas trop. Et le pire, c'est que je suis en train de me lancer dans un autre type de crop top. C'est vrai que c'est pratique le crop top parce qu'en fait, ça permet d'utiliser un peu moins de laine. Ouais. Surtout pour le projet que j'ai, j'en avais pas assez. Donc, bon, à voir. Sinon, pour la réalisation du Nausicaa, j'ai fait la taille 105. De mémoire parce que je fais 99 de tours de poitrine et elle préconisait je crois que 5 cm
Non, je crois que justement elle préférait une aisance négative, mais moi j'avais envie que ça ait un petit peu d'aisance positive parce que je voulais pas que ça moule au niveau de mon estomac parce que j'ai un peu un bourrelet au niveau de l'estomac aussi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le faire dans une taille un peu au-dessus. Ce qui fait que ça godaille un petit peu au niveau du raglan. Je sais pas. Ouais, je sais pas trop. Je vous montrerai. Je suis pas très convaincue. Ensuite, j'ai à vous montrer mon mélane que j'avais entamé au mois de juin. Donc je l'ai fait aussi pareil, version courte, sur les conseils de mes tricopines, qui m'ont dit qu'il fallait que je m'arrête à cet endroit-là, que c'était très bien, et qu'il fallait que je le garde ouvert, que ça mettait ma poitrine en valeur. Alors j'ai fait des manches aussi un petit peu plus courtes, j'ai fait la taille L. Et finalement, je regrette un peu parce qu'au niveau des épaules, c'est un peu long. Ensuite, j'ai mis des côtes que j'ai. Alors, j'ai terminé mon écheveau avec justement les côtes. C'est pour ça qu'elles sont un peu plus longues que le patron. Et les côtes du bas sont un peu plus courtes que ce qui est prévu dans le patron aussi. Parce qu'en fait, j'étais arrivée à la hauteur souhaitée, donc je voulais pas redéfaire 10. Enfin, 5 cm pour pouvoir faire les côtes, donc voilà. Sinon, il y a un I-cord aussi qui refait tout le bord, qui fait même en bas, ce qui fait qui rend vraiment le gilet vraiment très joli. La patte de boutonnage, je crois qu'elle est plus courte que ce qu'il y avait prévu aussi. Bah, j'ai fait avec mes rasoirs de laine parce que je l'ai réussi à le caser dans 2 écheveaux. Et le dernier écheveau, je le garde pour faire un canut. Un châle de Bérengère Caillou. Enfin, je vous avais peut-être déjà parlé de la dernière fois. C'est un châle en brioche avec un motif un peu torsade. Enfin, bon, je vous en parlerai la prochaine fois parce que j'ai pas tout à fait. Il me manque 50 grammes de laine. Donc je sais pas trop encore ce que je vais faire. Enfin, il me manque plutôt 100 grammes de laine. Alors je savais pas trop si je recommandais un autre écheveau je vous ai pas dit que c'était de la pomme de laine abondance couleur le béquet. Mais Carole n'a pas l'air d'en avoir teint. Donc soit j'attends qu'elle en ait en stock. Ou alors j'ai racheté à ma tricopine Carole un demi-écheveau de laine rose rose clair qui pourrait être joli, qui pourrait apporter un petit peu de lumière. Mais elle a que 50 grammes, alors ça va pas faire suffisamment. Donc, enfin, je vais voir avec mes restes qui va me, ça va me faire permettre de sur ce châle de faire des rayures plutôt que de faire des color blocks. Et finalement, ça me déplaît pas. Je trouve ça mieux. Donc pour ce gilet-là, bah finalement pareil, je l'ai pas pratiquement pas porté parce qu'il faisait trop chaud. Si je l'ai porté un peu pendant les vacances. Mais les manches courtes, au final, le soir, j'avais un peu froid. Donc, au final, je mettais autre chose. Voilà. Après, je vous montrerai sur ma robe que j'ai faite. Qu'est-ce que j'avais de plus à dire? Que j'ai rajouté aussi des sections de dentelle plus longues que ce qui est prévu dans le modèle. Parce que je trouvais ça plus joli. Ça me plaisait bien. J'aimais beaucoup le motif de dentelle. Donc je l'ai fait plus bas que ce qui est prévu. Oui, c'est ça. Et puis j'ai mis des boutons en bois que j'avais achetés chez Action. Voilà. Et ben je vais passer aux encours. Alors, je range un peu tout ça, sinon ça va tomber. Alors, pour les encours, je sors mon petit sac à tricot. Il y a un petit gilet, un petit cardigan. Un cardigan alors, en taille 50 pour Alice. Donc voilà. Alors, j'ai promis à ma fille que cette semaine j'essayais de lui terminer. Parce que ces derniers temps, tous les matins, elle me demandait alors, t'en es où mon gilet? Je veux mon gilet, je veux mon gilet. Donc c'est un gilet. Hein, j'ai prévu de faire un stick. En fait, je l'ai emmené pendant les vacances. Ça m'a permis de pouvoir faire
En fait, du rond, un peu en zéro cerveau, parce que bon, certes, il y a une dentelle, mais enfin une dentelle, si on peut dire. Oui, il y a des petits trous-trous, des petits une fausse torsade, parce qu'en fait, c'est une maille qu'on met par-dessus les deux autres et un jeté au milieu. C'est un cardigan que j'ai déjà fait l'année dernière. À mes filles, qui elles ont beaucoup porté, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais le refaire parce qu'il était assez commode, elles l'ont pas mal porté et dès qu'elles avaient un peu froid, elles le réclamaient donc ma foi. La laine, c'est une laine à chaussettes de la marque Hobby. J'ai acheté, oui, effectivement, je me suis laissée tenter par la marque Hobby suite à. C'est Magdalena Triple L de Mac qui en avait parlé, qui avait eu un sponsoring. C'est un modèle que je tricote en anglais, qui est à l'origine en néerlandais, autant je me souvienne. Ouais. Et par contre, la traduction, un peu bizarre, au niveau des raglans, ils disent là, j'en suis arrivée à ce moment-là, là, on raccroche. Ils disent de diminuer à chaque rang. Et c'est vrai que l'année dernière, je l'avais fait et je trouvais que ça tombait un peu court, ça leur arrivait un peu là. Donc cette année-là, je pense que celui-là, je vais essayer de faire tous les deux rangs comme un raglan, comme j'ai l'habitude de faire. Et je vais voir ce que ça va donner. Et j'ai la laine pour en faire un deuxième pour Zélie. Je sais pas si je lui fais ça ou si je lui fais comment s'appelle, un gilet. Il est prévu en gris anthracite. Si je lui fais. Ou je lui en ferai un autre peut-être. Un gilet. J'ai un projet en fait de jacquard. Que j'ai recopié un motif qui me plaisait bien. Donc je l'ai recopié, j'ai essayé de faire une grille. Alors, je sais pas si on voit vraiment bien. C'est au crayon gris, donc je suis pas sûre qu'on voit très bien. Donc comme vous voyez, là c'est inspiré du verre coca qu'on nous a offert pendant nos vacances. J'aimais beaucoup le motif, qui fait un peu 70s. Et peut-être que je le ferai en bas du gilet. Il me reste une pelote d'un noir de bébé chameau. Elle en voulait pour un gilet. Alors je me dis qu'avec un jacquard, ça me permettrait d'en avoir peut-être suffisamment. Je sais pas trop. Je ne sais pas. Enfin bon, c'est des projets, des projets, des projets. J'en ai plein. J'ai fait le calcul avec les patrons que j'ai achetés à Marie-Amélie Design lors de son mariage où elle nous faisait une méga promo où elle faisait un patron acheté, un patron gratuit. J'en ai acheté 8. Il faisait envie, donc voilà. Donc là, j'ai 11 projets. Donc j'ai les patrons et donc j'ai la laine. Au boulot, au boulot, au boulot. Voilà pour l'encours et j'ai un autre encours dont je vais vous parler avec de la laine que j'ai teinte moi-même avec des essais de. Vous voyez, j'ai fait. Un petit peu avec des teintures Greener Shade. Donc j'ai fait un espèce comment dire, de brouillon pour savoir un petit peu qu'est-ce que j'avais envie, de quelle couleur j'avais envie et comment j'allais essayer de faire. Et au final, ça donne. Alors moi j'appelle ça la laine Joker parce que mon mari m'a dit que le bleu, le violet et les petites pointes de vert, ça lui rappelait vraiment le Joker. Donc voilà. Alors pour le moment, ça ressemble pas à grand-chose. Parce que j'en suis au dos. Et je suis en train de monter le devant. Avec les augmentations pour faire le décolleté. Ça m'a l'air d'être un décolleté plutôt. Ça m'avait l'air d'être. Oui, ça m'a l'air d'être un décolleté plutôt généreux. Qui nous va avantager les. Et c'est un boxy.
Vous voyez, si on voit, voilà. La manche va arriver à peu près là. Enfin là, il faut que je déroulotte un peu. Et donc, je vais vous parler du modèle. Sinon, la laine, c'est de la lace coloris rose poudré que j'ai reteint. Et qui vient en fait d'un pull que j'avais réalisé au mois d'avril, je crois. Et que j'ai détricoté parce qu'en fait, je le portais pas. Il était pas... Chaque fois que je l'essayais, ça m'allait pas. Il était trop déjaugé, on voyait à travers. Il y avait des côtes qui m'avantageaient pas au final. Donc je l'ai détricoté. Voilà. Et puis la couleur, je la trouvais un peu trop nude. Et puis j'avais envie de faire des essais de teinture. Et donc je me dis foutu pour foutu. Allez. Donc je me suis lancée. Voilà. Donc le modèle. Il s'agit du pull Tempête. De Knit with Chocolate. Chocolat. Pardon. Sur Armel Robert. Je vous conseille beaucoup ses patrons. Ils sont vraiment très drôles. Tempête. Elle nous met une petite histoire en même temps. Il y a des petits dessins qui accompagnent un peu les explications. Je trouve ça très sympa. Très très sympa. Je peux vous montrer aussi d'autres choses sans, vous voyez, voilà, trop le patron. Voilà. Vraiment très sympa. Je suis très contente de ce modèle. Donc, je vais vous montrer aussi peut-être un peu le dessin technique. Voilà, il s'agit donc d'un crop top aussi. Donc un peu, je vais le faire en version crop top et manche longue. Parce que j'ai pas assez de laine. J'ai 250 grammes là, de lace. Mais 250 grammes, je les tricote en double. Parce que... ah oui, je ne sais pas montrer ce que ça ressemblait en cake. Ouais. Donc oui, la lace, 250 grammes. Donc ça risque d'être un peu juste. Donc le corps va être comme ça. Et quand je veux des manches longues, parce que je m'aperçois que les manches 3 quarts ou les manches courtes, c'est pas très confortable. Enfin, je le porte pas. J'ai un peu froid quand je suis en manche 3 quarts. Mes fils à Scooby-Doo, toujours, hein, pour mettre mes parties en attente. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour les manches, là, j'avais un fil que j'éteins, mais qui était en simple. Parce qu'il y avait une partie dans mon pull où c'était en simple. Et donc je l'ai teinte. Et là je l'ai remis en cake en double. Donc ça va pas faire tout à fait la même chose que quand c'est teint en double. Donc ça va me permettre de pouvoir faire une transition entre le corps et les manches. D'autant que c'est un gilet qui peut se faire en bicolore aussi. Et donc je vais faire les manches rayées avec mon reste d'alpaga rose. De la Flora de Drops, autant que je me souviens, que j'ai utilisé dans mon Maric. Et il me reste un petit bout de 15 grammes de petits bouts de laine écrasés de myrtille que j'ai acheté pour faire un châle dont je vous parlerai la prochaine fois parce que je veux pas vous en. Enfin. On a deux autres tricopines du café tricot qui font le même châle. En fait, on l'a fait ensemble pour aider une tricopine. Ce petit bout de reste, là, je vous en parlerai la prochaine fois. Petit teasing pour le podcast suivant. Donc voilà, mon pull tempête que j'ai pas pu m'empêcher de monter dans la semaine. En fait, c'est mes essais de teinture que j'ai fait avec mes filles. J'ai mis des petites photos sur Instagram, justement. J'ai pas pu prendre de photos, en fait, pendant qu'on le faisait, parce que fallait que je surveille les demoiselles à la seringue facile. Ça les a bien amusé hein, de jouer avec la seringue. Donc voilà ce que ça donne. Elles ont mis plus de violet que je pensais en mettre au départ. Mais c'est pas mal. Je suis assez contente. Ça fait... J'avais peur que ça fasse pas mal de pooling, mais ça va. Il y a juste là, ça fait comme un rond blanc, là. À voir comment ça se déploie sur tout ça.
Mais je pense que ça va être assez joli, là, cette lace alpaga et soie. Ça va bien draper pour ce modèle boxy. Et puis, je pense que ça va être joli. Voilà, j'ai hâte d'avancer et de le terminer aussi. Et voilà, il me reste aussi un autre en cours à vous montrer que j'ai mis un peu en stand-by parce que j'avais du mal à me concentrer dessus. Je range un peu, excusez-moi. Il s'agit du sédum, sédum de Mélina Letty Panda. Je vous montre. Je suis désolée, hein, c'est plié dans mon sac, donc voilà. Donc c'est un châle en demi-lune avec des incrustations de dentelle. La dentelle n'est pas si évidente que ça au final. Surtout en fait, elle. Alors c'est des rangs raccourcis de dentelle, mais la dentelle se fait aussi sur le rang envers. Et c'est ça que j'ai trouvé pas si évident que ça. J'étais peut-être juste avant les vacances, c'était pas facile. J'étais avec les enfants. J'avais commencé, puis je me suis trompée, j'ai essayé de retomber sur mes pattes, j'y arrivais pas. Donc au final, j'ai détricoté, j'ai mis en attente. Donc là, j'ai que le point côté point mousse en coloris algues de chez Célène. Et là, j'ai le coloris acidulé Arlequin. Voilà, pour faire la dentelle. D'abord, c'est vrai que j'ai mis un peu de temps avant de m'y mettre parce que j'avais du mal à me décider, savoir si je faisais la dentelle. Dans le coloris foncé ou si je faisais enfin ou l'inverse. Enfin, j'ai mis un peu de temps à me décider. Mais oui, je vais attendre que les filles se reprennent l'école, je pense, pour les faire sur mes temps de repos. Ça sera peut-être plus facile. Mais c'est vrai que là, au mois de juillet, j'avais du mal un peu à me concentrer ou je sais pas. Mais ça n'a pas marché, donc je le reprendrai un petit peu plus tard. Et voilà. Sinon, un projet. J'ai un autre quelque chose que j'avais commencé et que j'ai détricoté parce que je n'avais pas le bon échantillon. Parce que il est là. Oui, en ce moment, ma tendinite reprend un peu et c'est vrai que mes échantillons sont un peu faussés à cause de ça. Donc il a fallu que je le défasse. Et il y a eu un moment d'hésitation, soit je le recommençais, soit je commençais la pull tempête. Et puis j'ai commencé la pull tempête, j'ai pas pu m'empêcher. Donc, il s'agit du Schutzschrug. J'ai du mal à. C'est de Suzanne Sommer, qui est d'origine allemande. Schutzschrug. Je sais pas trop comment on dit. C'est peut-être d'inspiration un peu japonaise. Je vais vous montrer le dessin technique et un peu le dos. Donc, c'est. Un peu comme un châle auquel on rajoute des manches, arrivé à ce moment-là. Et je me suis dit que ça pouvait être assez sympa d'avoir ça en demi-saison. On met une petite veste en jean et puis on met ça par-dessus pour aller conduire les enfants à l'école ou choses comme ça. Ça me tentait. Ça me tentait bien. Ou quand on avait un petit peu froid à la maison, de mettre ça par-dessus. Enfin, je trouvais ça fait un peu poncho. Et puis c'est de la brioche aussi. Brioche avec des laines à chaussettes. Donc j'ai une laine bleu marine pour aller avec et une laine auto-rayante dans les tons bleus pour aller avec. Et en bas il y a un I-cord que je compte faire avec un reste d'alpaga rose fuchsia. Voilà. Mais ça sera quand j'aurai terminé mon pull tempête. Ou que j'aurai terminé mon châle sédum, je ne sais pas trop encore. Bon, il y a pas mal de choses de prévues. Et puis à venir, je vais peut-être aussi avoir un jacquard. Parce que mon frère est en Islande. Et il va me ramener de la laine normalement, il va me ramener de la Leclopie et je compte faire le Winterfell de Jennifer Steingas.
Et là où j'étais bien tentée aussi, c'est que si j'achète trois patrons, j'en ai un gratuit. Donc, je suis tentée par Silver Forest et le New Leaf aussi. Donc, à voir, à voir, à voir. Et il y a le pull Beauceron aussi qui me tente bien pour mon mari, avec un reste de déca que j'ai. Ça me permettrait de pouvoir l'utiliser. Voilà, sauf s'il y a d'autres patrons qui sortent d'ici là et qui me tentent aussi. Voilà, pour mon petit carnet créatif, un peu comme le bullet journal des tricopathes. Finalement, je l'ai un peu laissé de côté parce que j'avais pas assez de prise de notes en fait. Parce que vous montrer un petit peu, rien que pour le pull tempête, j'ai fait des calculs. Vous voyez, enfin voilà, j'aurais pas pu écrire tout ça dans le journal d'une tricopathe. Voilà, dans mes calculs de ce qu'il me fallait, de la quantité, de ce que. Enfin voilà. Donc souvent c'est un peu ça qui me limite un peu. Et c'est en partie pour ça que je l'ai mis un peu de côté. Et puis j'ai besoin d'avoir un peu plus de place pour programmer. Enfin voilà. Je le reprendrai sûrement. Mais en fait, ce qui m'intéressait plus finalement dans le journal d'une tricopathe là, de Mélise, c'était plus les parties qu'elle avait rajoutées, la recette de chaussettes, les marques de laine, les podcasts et tout ça. C'était tout ça qui m'intéressait un peu plus vraiment que la partie vraiment programme. Enfin. Programmation. Enfin, donc je crois que j'ai fait le tour pour la partie tricot. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie couture. Pour la partie couture, je vais commencer par les réalisations que j'ai faites pour mes filles. Alors, je commence par une robe trapèze. Ça, c'était un peu dans l'urgence, parce que le matin de la kermesse, ma fille m'annonce, Maman, pour cet après-midi, faut que je sois habillée tout en blanc, faut que j'ai une robe blanche. Pardon? Elle me dit ça le matin à 8h en me réveillant. J'étais déjà dans mon lit en train de zioter Instagram parce que je suis une mordue d'Instagram. En attendant que tout le monde se réveille, je check Instagram dans mon lit. Voilà, vous saurez tout. Et bah donc maman s'est mise au boulot. Ah, je l'ai mise à l'envers. Donc elle avait de la chance. J'avais du coton blanc. Alors très fin, c'était un voile de coton. Normalement, c'était plus pour faire des doublures de viscose ou de choses comme ça. Et ben, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai doublé. Voilà. Et puis j'ai mis des petites broderies à la machine. Là, pour faire l'ourlet. Et puis, elle a choisi cette couleur-là et cette broderie-là. Et voilà. Et comme ça, elle avait sa robe blanche pour la kermesse. Finalement, elle l'a même pas portée, elle n'en avait même pas besoin, mais c'est parce qu'on avait dit à un de ses copains qu'il fallait, comme il n'y avait pas assez de déguisement, il fallait qu'il soit tout en blanc pour faire Pierrot, je crois. Et elle avait son déguisement de princesse. Bah, comme effectivement ce patron était déjà coupé, ça m'a pris 1h30 à tout casser pour lui coudre. Le temps de couper, bah, le couper le tissu en deux, faire un peu de repassage, enfin, voilà. Partie dans ma lancée. Non, je les ai fait plus tard. Je me suis dit, j'aime bien ce modèle, il est quand même bien pratique, elle les porte bien. Donc au final, j'ai utilisé aussi ce tissu dont je vous avais parlé des filles sans bobine que j'avais acheté à Neuvy du Poitou lors du trail tricot. Voilà, là je vous montre la peinture avec la petite étiquette que j'ai rajoutée. Ça, c'est la robe d'Alice. Voilà.
J'avais pris 1m50 et j'étais un petit peu juste. Donc pour l'ourlet, j'ai fait un rouloté à la surjeteuse. Avec ma nouvelle surjeteuse. Voilà. Ma foi, elles sont plutôt contentes, ça se porte assez bien. Et puis je me suis dit que ce modèle-là, vous pouvez même le porter encore un peu l'année prochaine, éventuellement, début de saison, avec un petit legging, si c'est un peu court. Voilà, et ça c'est la version de Zélie. Alors elle, par contre, j'avais pas assez pour faire la parementure. Donc j'ai fait une parementure avec le voile de coton blanc que j'avais utilisé pour l'autre. Et une chute de rose d'un modèle que j'ai fait, que je vous montrerai après. Et voilà. Et celle-ci est un petit peu plus courte que sa blanche ou que sa verte que j'avais faite. Donc voilà, un patron bien, bien rentabilisé. Je l'ai recopié et je l'ai fait 3 fois. À peu près. Pour chacune. Alice en a une en moins, mais je crois pas qu'elle en manque non plus. Ensuite, pour les filles, ben, je leur ai fait des petits shorts. Des petits shorts petits d'hommes dans un jersey que j'ai recyclé. C'était ma robe Lucille que j'avais fait d'Urban Fairy avec un jersey qui n'était pas très extensible et pas suffisamment en fait pour que je me sente à l'aise. Donc en conclusion, j'étais un peu étriquée au niveau des bras, choses comme ça. J'ai pas dû choisir non plus la bonne taille. Et donc au final, j'ai recyclé ce jersey bleu en leur faisant des shorts. Ma foi, parce qu'elles en avaient. Le problème, c'est qu'elles en avaient que deux chacune. Et j'ai trouvé que pendant les vacances, c'était un peu juste d'en avoir que deux. Et j'ai voulu en racheter chez H&M. Sauf que le problème, c'est que d'abord, la fast fashion, bon. Maintenant, j'essaie d'éviter au maximum, tant que je le peux. Et puis, ce qui m'ennuie, c'est que, en fait, elles sont tellement fines que, je peux pas prendre la taille qu'il leur faut. Je suis obligée de prendre la taille du dessous. Et puis, je trouve ça un peu court. Donc là, j'ai fait, pour Zélie, mais j'ai dû bidouiller. Parce que le tour de taille de mes fillettes correspond au tour de taille du taille 2 ans. Toutes les deux. Sauf qu'en longueur, en taille, eh ben, il faut lui faire du 8 ans. Et à la seconde, il faut lui faire du 6 ans. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour Zélie, j'ai réduit la taille aux 4 ans au niveau de la taille. Au niveau des hanches, j'ai dû faire 6 ans. Et au niveau longueur, j'ai dû faire 8 ans. Parce qu'au niveau des. Même au niveau des fesses, je crois que c'était la taille 6 ans qu'il lui aurait fallu. Et c'est pour ça qu'à la taille, au lieu de. Oui, c'est ça. Pardon. Je reprends. Donc je lui ai fait au niveau de la taille, taille 4 ans. Parce que je voulais pas lui faire 2 ans. Parce que sinon, ça aurait fait trop de différence entre le 6 ans et le 2 ans. Donc j'ai essayé d'uniformiser. Puis j'ai pris un élastique que j'ai serré vraiment pour leur taille, quoi. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que dans le commerce, finalement, les élastiques. Des shorts, eh ben, ils sont cousus dans la ceinture, donc on ne peut pas régler l'élastique parce que parfois ça permettrait justement de faire plus de fronces et puis d'avaler un peu le truc. Mais pour son short de pyjama, par exemple, il a fallu que j'enlève 3 cm de chaque côté. Donc j'ai fait une espèce de jupe culotte en fait. Parce que 6 cm, même en tirant sur l'élastique, c'était pas possible. Et puis j'avais pas des coups de tout l'élastique et tout ça. Donc au final, j'ai fait un coup de surjeteuse en enlevant 3 cm de chaque côté. Et puis comme ça, elle a pu mettre son pyjama parce que sinon, Donc voilà, 4 ans, 6 ans. Et puis je lui ai fait la longueur du 8 ans. Et ma foi, ça lui arrive. Voilà, pas trop court quoi. Parce que c'est vrai que. Faut pas que ce soit trop court non plus pour des petites filles. Enfin, même si c'est un short, j'aime pas tout. Je suis pas très fan des shorts moi-même. Mon mari trouve que c'est quand même plus commode pour qu'elle puisse jouer. Et il a pas tort. Mais... Voilà. Et j'ai acheté aussi un patron pour faire des leggings. Parce que c'est pareil, les leggings, j'arrive pas à leur trouver la bonne taille. Parce que Zélie rentre encore dans celui du 6 ans. Mais c'est trop court.
Il lui manque. Quoi? Ouais, 7-8 cm en bas du. Alors elle râle, ouais, il est trop court, il est trop court. Mais ça fait un peu pantalon pour aller aux fraises. Comme on dit vulgairement. Mais j'ai pas le choix, parce que dans le 8 ans, bah, ça lui tombe tout le temps, quoi. Ça lui tient pas au niveau du ventre. Donc, bon. Donc là, je me suis dit, bah, écoute, je vais le faire moi-même. Je vais acheter du. J'ai acheté du jersey Dressenstoffen qui devrait pas tarder à arriver. Et je vais faire les leggings moi-même parce que, ben. Qu'est-ce que vous voulez? Tour de taille, elles font. Moi j'ai mesuré. Elles font 49 de tour de taille. À peine 5, même pas 50. Donc, bah ouais. Je suis bien embêtée. Voilà pour les réalisations de mes fillettes. Sinon, faut que je vous parle aussi de ce que je porte. Il s'agit du top chemisier sarriette de Christelle Benetou, dont je vous avais parlé au dernier podcast. Le tissu est un tissu que j'ai acheté pendant le trail tricot à la mercerie Un Instant Chez Moi d'Atalante. C'est une mercerie en Ariège. Voilà. Et qui a un site internet et qui livre aussi par la poste. Voilà. Très contente de ce coupon. Je vais attendre que le téléphone arrête de sonner. Des pieux, comme d'habitude. Vous avez ça aussi chez vous, j'imagine. Je réponds plus au téléphone fixe, moi, maintenant. C'est fini. J'en ai assez d'avoir l'isolation à 1€, les bidules comme ça. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer, il m'en restait quelques chutes, donc j'ai fait un top Ségur avec le reste. Et toujours avec ce biais petites étoiles, alors c'est un biais, comment ? C'est un biais beaucoup plus souple que les biais qu'on a l'habitude d'acheter, je sais plus comment il s'appelle. Donc voilà, j'ai fait le top Ségur simple, hein, basique, rapide, efficace. Pour cet été, pour porter avec un short, voilà. Et j'en avais pas assez pour faire le dos, donc le dos je l'ai fait en bleu marine. Mais ma foi, ça se porte comme ça, c'est très bien comme ça. Je pense que c'est pas dérangeant. Ensuite, je vais vous parler du top Nunky dans le tissu Toto que j'ai acheté et dont j'ai utilisé les chutes pour faire la parementure de la robe de Zélie. Donc celui-là, c'est le Nunky, je l'ai taillé en 44, mais au final, je crois que je l'ai fait trop grand. J'aurais mieux fait prendre 42. Mon tour de poitrine, en fait, j'étais un peu entre les deux. Je crois que c'est pour ça que j'ai hésité. Et j'avais souvenir d'avoir fait l'année dernière un autre Nunky, où je trouvais qu'au niveau là, ça a serré un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire la taille du dessus. Mais je me suis aperçue en fait en relisant que j'avais fait en fait un taille 40 l'année dernière. Comme pour le Arsène où j'avais fait en 40. Et en fait le 42 est parfait. Et j'aurais dû faire ça en 42. Mais je sais pas pourquoi je l'ai pas remis d'ailleurs au final. C'est vrai que je porte peu de pantalons en ce moment. J'ai plutôt tendance à mettre des robes. Et puis je l'ai pas emmené dans mes bagages non plus. Je sais pas trop, je vais le réessayer au moment du défilé et peut-être que ça me convainc de le remettre. Ensuite, ça fait déjà pas mal. Ah, ensuite, il reste ma robe Mana de chez Machine. J'ai craqué cette année, je l'ai achetée. Elle me faisait beaucoup, elle me faisait vraiment envie aussi et j'ai craqué. Donc là, je l'ai réalisée en lin rose Alors c'est un lin qu'on m'a offert. C'est la tante de mon mari, enfin qui est ma tante aussi maintenant en par alliance. Fabienne. Je sais pas si elle me regarde, mais je lui fais des gros bisous sinon. Qui est une couturière, qui. Voilà. Et qui m'a dit, oh toi du lin rose, t'en auras toujours l'utilité, j'en ai beaucoup. Je te le donne. T'en feras des robes pour tes filles. Bon, au final, j'ai pas fait de robes pour mes filles encore pour le moment. Il m'en reste encore pas mal. Je pense que j'en ferai. Et puis j'ai mis les poches aussi dans une autre couleur, je trouve ça drôle, j'aime bien. Et j'en suis très contente de cette robe. Je l'ai faite avant de partir en vacances. Ouais, c'est ça. La semaine avant de partir en vacances.
Donc voilà, ma robe Mana. Et je vous la montrerai au moment du défilé. J'ai même hésité à la mettre pour justement faire le podcast. Ça m'a beaucoup. D'ailleurs, je me suis beaucoup posé de questions. Qu'est-ce que j'allais mettre pour mettre en valeur le podcast? Et ben, j'ai. Ah non, il me reste un t-shirt. Un t-shirt RL de coudre le stretch. Je crois que c'est ça, c'est RL. T-shirt RL. Alors, avec en colure un peu kimono. Voilà, que j'ai fait dans une viscose que j'ai acheté en solde chez Cultura. Ils avaient un coupon. Alors, il a fallu que je bidouille aussi. Petite bidouille. C'est surtout parce que bah, je rentre pas dans les standards non plus, comme mes filles. Mais moi, c'est l'inverse. Leur tour de taille à elles, il est trop petit. Moi, il est trop gros. Moi, je fais du taille 48 au niveau du ventre. Alors que le reste, c'était en 42. Voire même presque 40 à tour de taille parce que j'ai pas une grosse poitrine. Donc ce t-shirt, il a fallu que je redessine. Donc j'ai fait là du en haut, j'ai fait 42 et j'ai augmenté au 48 pour que être sûr que ça moule pas trop. Parce que le but, moi, c'est que ça moule pas. Et c'est pour la sortir avec ce pantalon que j'ai acheté chez Bonobo. Mais il a fallu que je le reprenne aussi. C'est une taille 42, mais la ceinture était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop haute. Il fallait que je fasse un repli, ou alors ça m'arrivait au niveau en dessous du soutien-gorge. Là, ça faisait moitié pantalon de femme enceinte, ou presque. Donc bah, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai décousu la ceinture, j'ai enlevé 4 cm et j'ai recousu ma ceinture. Et voilà. Et maintenant, j'ai un pantalon en viscose fluide qui me va. Qui est encore un peu haut d'ailleurs, finalement, quand il se détend avec le porté. Pendant les vacances, je l'ai pas mal porté. Je voulais un pantalon justement comme ça pour partir en vacances. Je me suis dit que ça allait être pratique. Parce que c'est vrai que au travail, au final, bah, au mois de juillet, j'aurais eu trop chaud avec ça. J'étais surtout en robe de lin, des choses comme ça là. Et puis c'est vrai qu'au travail, j'ai pas trop à me pencher, je suis relativement assise. Je suis aussi bien en robe finalement qu'en pantalon. J'aurais à me baisser pour enfiler des chaussures aux patients, pour les aider à mettre les pieds dans le lit, choses comme ça. Là, ça aurait pas été possible. Là, je les installe, ils sont assis, voilà donc. C'est des gens qui sont autonomes, voilà, qui donc j'ai pas trop de soucis. Donc j'en profite pour pouvoir mettre des robes. Voilà. J'aime les robes et j'en mets des robes. Voilà. Voilà pour les bidouilles. Est-ce que je vous parle de ma robe Raphaël auquel j'ai rajouté une ceinture? Plus beau utile. Si, je vais vous la montrer. Donc là voilà, j'ai rajouté une ceinture de gros grain parce que je trouvais qu'elle était trop longue. Et je vous la montrerai peut-être au défilé pour vous montrer qu'elle est bien mieux maintenant. À tel point, elle est tellement mieux que ma mère m'a demandé de lui faire la même. Dans un coupon, je vais vous montrer. Dans un coupon des coupons Saint-Pierre. Voilà. Donc elle va être très sympa, très bariolée. Voilà. Ma mère qui aime le vert. Voilà. Vert, rouge, jaune, orange et voilà. Les bayadères. Ça me rappellera le Pays Basque. Donc ça, j'aimerais essayer de le faire assez cette semaine, peut-être pendant que mes filles sont en vacances chez leur grand-mère. Ça serait peut-être pas mal. Parce que ce week-end, on les emmène chez ma mère et ma grand-mère. Et elle passe la semaine chez ma grand-mère. Il me reste aussi dans les choses que j'aimerais faire. Voilà un coupon que j'ai acheté chez Macariste. Pardon, je vais peut-être le mettre dans le bon sens. Avec les petites mésanges là que je trouvais vraiment très sympa. Alors j'hésite. Soit je me fais un t-shirt Arsène que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces t-shirts. J'en ai un que je porte assez régulièrement avec des glaces. Et il y a un autre à rayures et il commence un peu à être passé. Et puis je crois qu'en plus j'ai des taches sur celui avec les glaces. Je suis bien malheureuse d'ailleurs.
Ou j'hésite à faire un modèle gratuit. Soit je fais un plantain aussi, éventuellement. Mais alors je sais pas si je le fais à manches longues ou à manches courtes. Est-ce que je le porterai cet hiver? Je sais pas, fait peut-être un peu trop printanier. Je sais pas si je lui mets des manches longues ou des manches courtes. Ou est-ce que je lui fais le top Alicia de chez Machine? Ou est-ce que je fais le M-Locti qui est gratuit, que j'ai téléchargé, qui me tente bien aussi. Mais j'ai peur que le côté très, très boxy aussi, pareil, ça empêche de mettre quelque chose par-dessus. Et que ça soit un peu casse-pied. Donc je sais pas. Je sais pas trop quand est-ce que je porterai ça. Si je le porte maintenant et auquel cas vaut mieux mettre des manches courtes dans ces cas-là. Je sais pas trop. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça m'aidera peut-être à me décider. Et puis, j'adore vous lire, j'adore avoir des interactions avec vous, ça me plaît beaucoup. N'hésitez pas. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes réalisations couture et tricot. Et on va laisser place au défilé. Je vous fais plein de gros bisous et puis à bientôt!